Eh mais Yacoupo, t'es sérieux? Tu l'as ouvert la porte? Et nouveau vlog, Yacoupo il a pas compris, il faut fermer la porte, s'il te plaît Yacoupo. Nouvelle journée, donc c'est dimanche matin, on n'a pas arraché. Ça va Alex? Bon, Alex ça, même ouais, dans la voiture, je sais pas s'il va filmer, il monte. Je suis là. Le clip qui est sorti. Alex Zer y conduit. Alex. Pascal Zer y conduit. Ouais, j'avoue, je suis encore. Bonne forme toi. Parce que ça dit il monte le clip qui est sorti. Ouais, parce qu'il est sorti avant. Bref, donc dimanche matin, vous avez compris, c'est difficile et on va manger chez la tante à Pascal. Beaucoup ils ont mis dans les commentaires qui est Milan. Milan, il est slovaque, mais il parle italien et anglais. Et donc, je l'ai rencontré l'année dernière en Italie et depuis, c'est un ami et de temps en temps, il vient nous voir. Voilà. Say hi, Milan. Hey, girls. Les autres, non, on s'en fout. Girls and boy. Et donc, on est chez la famille à Pascal, l'oncle et la tante. Bonjour. Et ils ont préparé, donc c'est quoi René? C'est un cocktail, mais c'est pas un petit cocktail. Il y a 50 litres. Et voilà le repas, bien sûr, après les acras. Et là plein de crevettes, tout ça pour Milan parce qu'il est allergique, sympa. Ouais. Ça a l'air très très bon. Ça a l'air très 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 bon. Par contre tu m'as dit quoi? J'étais trop lent en fait, je parlais doucement. C'était chiant. C'était un rythme en fait. Chiant. C'est dimanche frère. J'ai une question. Pourquoi tu n'as pas fait de boire d'alcool qui t'a déposé? J'ai un peu mal à la tête. Je bois plus d'alcool gros. D'accord. Et c'est parti pour le repas avec tout ça. Ouais. Donc tu peux présenter. Quoi? C'est des bonbons de crevettes. Ah, et la lentille et Alex. Après c'est quoi? Alex, continue. Gratin de Christophine. Ouais. Poulet à lentilles. Gratin de banane. Parfait. Connais c'est un lentilles. C'est Alex ou Alex ou. Bon appétit. Alors tout à l'heure on nous a filmé parce qu'on dormait, voilà. Tous les deux, vengeance. Là, on va faire une petite vengeance. Qu'est-ce qu'on fait, Fragilus? Et alors avec la petite musique. Hein, ouais, ouais. On est bien, au calme. Putain, je suis déçu, je pensais que tu dormais, je suis grave déçu. Même moi, pareil. Je suis grave déçu, je pensais que tu dormais, qu'on pouvait se venger. Non. J'étais bien. Putain, il dort jamais ce mec. Et retour du repas, et donc là, Milan vient de poser une question à Pascal. Comment ça se fait que ta famille est si gentille et que toi tu sois comme ça? Comme ça comment? C'est-à-dire pas un mec sympa quoi, tu vois? Bad famille boy. Sont accueillants, ouais un bad boy. Je suis pas accueillant? Je suis pas un bad boy? Je suis un bad boy? Non vraiment, en tout cas c'était très très bon. Et on s'est bien cassé le ventre pour dire c'est 18h. Donc on a bien, on a bien mangé. À 18h dès demain. Et vous avez vu, on était un peu fatigué, on a fait une petite sieste au quai avec Pascal. Yacoupo s'est bien marré. Mais après il a fait aussi la fragile. Oui, demain je ne dormais pas. Je me reposais les yeux. Et on part avec Pascal et Yacoupo faire les courses la veille du départ. On va chercher un peu des souvenirs, des cadeaux. Voilà, il y a Milan et PJ qui sont restés à l'appart. PJ devait terminer du montage. Et Milan, lui, va rester encore sur l'île. Donc, c'est pas le moment pour lui d'acheter des souvenirs. Ouais, c'est bon. Ça. Ouais grave. Ça c'est... Je repars avec ça dans mes valises. Oh c'était chaud ou pas? Ouais c'est chaud. Pascal Zer. Non, j'ose pas. Raconte, c'est chaud. Non, j'aime mon île. Bon ben raconte. Il y avait une dame. Avec des gros pecs. Voilà, avec des gros pecs. Qui allait presque agresser Alex. Il allait presque agresser Alex. Il voulait l'arrêter. Bizarre hein. Voilà. En direct de Fort-de-France, on visite la ville, pas mal, des petits magasins sympas. Lourd. Yacoupo il a testé un peu des produits pour Sevesh. Mais ça faisait un effet trop brillant, ça faisait italien en étreinte. Rodolfo Valentino, donc il y a un moment, j'ai pas pris. Il posait plein de questions sur les produits et tout. Elle lui dit mais vous cherchez quoi? Et il dit bah je sais pas, non je regarde comme ça. Elle dit ah vous posez juste des questions. Il voulait me taper presque.
J'ai trop de projets en tête, est-ce le calme ou la tempête? Est-ce que je m'entête? Je laisse la place à la prod, comme je laisse la place à mes prods. Là, il a honte parce que les gens le regardent. C'est comme un chef, mais moi. Alors? Il y a des trucs dans des marchés publics, je transpire là. Il était mal à l'aise, le skin. Ça calme un chef à moi. Et Alex, fais voir qu'est-ce que t'as pris pour faire skin. Bien ou pas? Tourne. Hop. De l'autre côté. Hop. Il est rentable. J'ai acheté deux poupées. Au pédant. Ah, caramba. C'était ça. Bonjour. Voilà. Pascal Django. Django. Django ou l'antillais, tu vois. C'est ça, gars. Ça te va bien, gros. Merci. Voilà. Ah, c'est lui. Et là, on vient acheter des transats pour René qui nous a logés d'une façon incroyable. Et on est très content de la remercier avec ses petits cadeaux. Et voilà, avec notre belle organisation, bah, ça rentre, tout rentre parfaitement dans la voiture. Exactement. Et puis on a pris la bonne voiture pour. Et j'ai pas chaud. Hein. On a un Berlingo, mais on a décidé de prendre la 206 pour pouvoir faire ça. C'est ouais. Super bien. C'est ça que je comprends pas. On a commandé et il n'y a pas de. Jacopo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. J'ai trouvé des œufs. Il n'y a plus des. Il était ouf. Non, c'est pas il était fou. C'est pas vrai. Et on va manger des frais à pain. Ah bon, ok. Jacopo, tu viens, on va chercher des frais à pain. J'ai 13 ans, j'ai rien dit moi. On a les pizzas. Pizza. Ah, Milan. Hein. Moi j'étais normal. Hein. Regardez la technique de René pour ne pas casser les bouteilles lors du vol. Vous la mettez dans une bouteille en plastique. Et dernier repas, dernier soir. Ouais, bon app. Bon app. Merci à tous. On mange propre, on s'entraîne sale. Et conclusion, on va finir sur une belle image posée dans le sale qui finit les pizzas de tout le monde. Quelque chose à dire, Jacopo? Parle la bouche pleine, ça t'a fait plaisir ces vacances? C'est plaisir, on est triste là. Ouais, j'avoue. Toi aussi, Pascal Zer, ouais, Pascal Rico. Ouais, triste de quitter la Martinique. Ouais, dernier jour. Bon, on est un peu triste, nous on part. Milan, il reste. You stay, Milan. Yeah, pas de long. Encore une semaine encore, mais tout seul, il l'a dit. Et donc là, nous on va au Lamantin, à l'aéroport, pour faire le checking de Pascal et sa maman. Parce que on pouvait pas le faire sur internet. Enfin, lui pouvait pas le faire sur internet. Et en fait, il a un gros problème dans l'avion s'il est pas. Côté fenêtre, il le vit mal. Est-ce que tu veux débriefer là-dessus? Non, c'est vrai que si je suis pas côté fenêtre, je suis pas côté hublot. Il m'a dit, hein? Oh putain, si je suis pas côté fenêtre, frère, le vol, tu vas bien. Si je suis pas côté hublot, franchement, le vol, je le vis mal. Je suis au milieu, je me sens pressé. Et ça arrive. Après, voilà, le côté homme, il est là, mais bon, c'est chaud. Ouais, bien sûr. Donc là, voilà, dernier jour, parce qu'on part ce soir tard. C'est ça. Profiter un peu de la plage, s'il fait un peu meilleur, si on a le temps. Bien on sûr, on range la maison, on nettoie, parce qu'elle va être sur Airbnb en location, allez checker ça. Donc elle n'y est pas encore, mais dès qu'elle y sera, on mettra les liens dans les blogs. Je serai toujours devant le road, même si les projets capotent. T'entends le bruit des talons. Milan, il sait dire une seule chose. Vous verrez. Récupère la petite. En personne, la petite. Dernier jour à la plage, plein de tristesse. Voilà, notre dernier jour à la plage. L'eau elle est magnifique, on se régale. On est là, on profite gros jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'au bout, et après on prend l'avion direct. Je vais être mouillé plein de sable dans la rue. Ouais, 20h20, départ à 20h20. Yes, exactement. Bon. Ouais. Juste à l'heure, juste à temps. Bonjour. Oh, mais arrête, sérieux.
pas en vacances en métropole. On part avec 20 minutes de retard. T'es pas en hypo un peu, Pascal? Mais grave. L'hypoglycémie rico commence. J'avoue, on pète la dalle. On va partir avec 20 minutes de retard. Donc on va manger avec 20 minutes de retard aussi. Donc ça va être chaud. Et je vous explique, donc Jacopo est devant, Alex. Et Alex, Alex était tout content parce qu'à côté de lui il y avait personne sur le siège. Il a fait un snap et tout, sauf que quelqu'un est venu. Vous voyez, il fait beaucoup de gestes, il prend beaucoup de place. Et Jacopo, je le vois mort de rire. Il était tout content. Et puis j'ai compris. Voilà, donc il y en a, ils vont passer un bon vol. C'est cadeau, frère. Arrivé à Paris. Donc il ne reste plus qu'à rentrer à Lyon TGV avec René, Pascal, Alex, Jacopo. Milan est resté là-bas. Et donc, avant de prendre le TGV, petit repas, on va faire un petit débrief là sur ces 15 jours. On commence avec Pascal. Ouais, bien sûr. T'as la pression, quoi. T'as la pression? Grave. Vas-y, c'était quoi ton moment préféré sur les 15 jours? Ah, mon moment préféré... Oh, j'en ai plein. J'ai notamment le jet ski. Je croyais que c'était le moment préféré d'Alex, c'est pour ça. Je l'ai niqué. Non, 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 il y a bien le jet ski, il y a aussi le small nature de ce cadeau. PJ, c'est cadeau, tiens, hop là. Non, non, et vraiment, voilà, tous les bons moments qu'on a pu passer ensemble à la plage, à sortir, l'accueil, voilà, l'accueil de ma Martinique, et puis le soleil. C'est pas que la tienne, ouais. Quand je dis ma Martinique, c'est l'endroit où je suis né. D'accord. La Martinique. Moi, j'avoue, j'ai pas été très galant, mais on aurait dû demander à René d'abord. Et vous, René, ces 15 jours, ça a été? Merci. Mais moi, ça a été tous les jours. C'était pareil. C'était bien. C'est quelqu'un. De vous faire découvrir. Plein de saveurs. Plein de saveurs. Ouais. C'était au top en tout cas. Merci beaucoup, René. C'était vraiment très sympa et très chaleureux comme accueil. Merci. Contrairement à Pascal. Et toi, Alex? Bah moi c'était aussi le jet ski qui m'a volé l'après-midi, déjà. Après l'après-midi sur la plage aussi où on avait fait les sprints, j'avais filmé Pascal. Non, ce moment il était ça. Mais Pascal il savait pas, il a fait un footing. Et après en général l'accueil des gens, les Martiniquais en général, le paysage, c'est vraiment être là-bas en plein mois de mars, quand il pleuvait, il faisait très froid ici, c'était un kiff. Ok. Et toi Jaco Rico? C'était l'accueil de René et Pascal, on était parfait. Non, on était vraiment chez nous. Faut pas que je mette une musique triste là parce que je me mets à pleurer. Et aussi pour le moment à la plage, j'ai beaucoup aimé la première fois à la plage des Salines, quand on a fait les photos du soleil. C'est vrai. Et les drones sur le jet. Voilà, et moi je dirais pareil, c'était vraiment au top, les plages. L'ambiance, surtout, je pense qu'on a vraiment déliré. Et merci beaucoup René, Pascal, pour vous avoir invité. C'est vraiment génial. Et c'est vrai que des fois on dit que les Martiniquais sont pas très accueillants, bah c'est faux. Vraiment tout le monde, c'était super sympa. Et les activités de jet ski, paintball, regardez les vidéos, c'est vraiment. Bravo. Une dernière fois, merci à toute la famille de Pascal. Bien sûr, surtout René et tous ceux qui nous ont accueillis, tous ceux qui nous ont invités, pour nous connaître. N'hésitez pas à aller visiter la Martinique. J'espère que ce vlog vous aura plu. Ciao. Tu sens la lourdeur en part, j'ai pris du galon et des couleurs. Les pieds dans l'eau à Malaga ou Pattaya. Ma tête sur les épaules, profil d'un Panama. Je vais mettre la barre haute sur l'Himalaya. J'entends déjà la concu dire aïe aïe aïe. C'est dans le sang, j'dirais toujours qu'on est les best.